esprit, j'ai trouvé le filtre qui te va à merveille. Je sais pas si le fait sourire. Hein. Non, 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 c'est pas celui qui sourit, justement. T'inquiète, je parle d'un filtre. Hey, comment ça, mes petites sphères? C'est SNES. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pas Rire, épisode 95. Donc vous connaissez le concept, le but est très simple, il suffit de regarder la vidéo avec l'eau dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, pourra me dire dans les commentaires comment te faire rigoler. Allez, c'est parti, mes sphères. Attends, course poursuite Condé, ça fait broum broum, j'accélère, accélère, ça fait broum broum, la 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 la. Vous savez que les bananes, on les ouvre pas par là, on les ouvre par ici. C'est l'eau. Maxime. TikTok Money. Maxime. Un radis. Maxime. Chewing gum. Maxime. Les gens m'épuisent avec cette question parce que j'ai envie, voilà, j'ai envie, c'est simple, je fais ce que je veux, mais j'ai le droit. Ouais. Non, non, Nico, non. Non, non, tu as pas fait ça. Tu te fous de ma gueule, Nico! Tu te fous de ma gueule, putain! Hé! Hey. T'appelles pour ton bac. Toi, tu parles à Macron, et moi, je m'appelle Mélenchon. Tu es hors de ma vue. Va voir ton parcours dessus. Oui, j'ai trouvé le filtre qui te va à merveille. Je sais pas si le fait sourire. Hein? Je veux pas sourire. Hein. Non, 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 c'est pas celui qui sourit, justement. Mmh. J'ai pas besoin de filtre. Comment elle dit, j'ai pas besoin de filtre. Oui, j'ai trouvé le filtre qui te va à merveille. Mais tu passes le fait sourire. Hein? Je veux pas sourire. Non, 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 c'est pas celui qui sourit, justement. Tu fais la gueule. J'ai pas besoin de filtre. Sur toi, c'est incroyable. Brick, have a brick, hold a brick, hey, hold a brick, have a brick. Yo, bomb almost off. Shit, I'm out right now. Les gars, regardez le mot que je vais prononcer, à quel point ça peut les exciter, hein. Pipi caca. Gaston, c'est ton anniversaire. Oui, papa, tu m'as acheté un cadeau. Ah oui, tu l'as bien mérité, tiens. Merci, papa. C'est quoi, ça? Ben, c'est ton cadeau. Papa, je t'ai fait. Casse-toi. Attends, mais c'est quoi, ça? Attends, mais c'est quoi? C'était quoi, ce truc? Sherman, t'as vu quelque chose? C'est quoi, ce bordel? Hé! Hey, les amis, comme vous savez, hier j'ai fait un prank où j'ai fait semblant de voler une PS4 à Micromania. Du coup, je l'ai prise et ensuite je l'ai ramenée, bien entendu, au magasin. Du coup, voici les backstage. Une fois que j'ai rendu la PS4, ils ont littéralement pété un câble. Pour plus de vidéos, allez voir la version complète dans ma story Instagram. Ouais, pas de soucis, de toute façon, t'es filmé, on va faire le nécessaire. C'est un carton, mais c'est pas parce que c'est un carton, c'est un prank. Ouais, il revient, c'est très drôle. Il y aurait vraiment un truc, jamais d'avis, j'en fais ça, parce que c'est un truc qui est assez. Et ben vas-y, appelle l'État et dis-leur qu'on l'a volé. Je suis un PD si tu te fais pas, si tu rigoles pas la gueule. Appelle-les maintenant. J'en ai rien là-bas. Et ben tu les appelles. Qu'est-ce que tu fous? Ça, c'est mon bateau préféré. C'est un yacht Lamborghini, il coûte 3 millions d'euros.
On va demander à mon meilleur pote pour combien de likes il me l'achète. Oh Hugues, oh, ouais. Hugues, regarde. Ça les frères. Ça, c'est mon yacht préféré. Pour combien de likes tu me l'achètes? Ah frérot, t'as abusé, 3 millions d'euros, non. Vas-y, bah frérot, pour 60 000 likes, je te l'achète. Officiel, c'est bon, je te l'achète. Oh, likez s'il vous plaît, les gens. Ah frérot, frérot, excuse-moi, t'aurais pas de la crème solaire? Ah si, vas-y, vas-y. Ah ouais? Attends, tu vas où, gros? Attends, mais... Oh, ça fait... Oh, aïe, oh, ah. Ah oui, c'est vrai que c'est pas par ici. C'est où, déjà? Vas-y, je te suis, t'inquiète. Mais non, de la crème solaire, je t'ai dit. J'ai pas compris. Eh oui, bah, écoute-moi un peu. Putain, toujours des trucs au milieu, là. Ah ouais. Salut, toi. C'est de la crème solaire, je veux. Les amis, j'ai piqué le téléphone de ma copine. Je vous l'avais dit, elle est sur Tinder, regardez. En plus, je viens d'ouvrir et je vois déjà des j'aime. Bref, là, c'est mort, ça me saoule. Je vais modifier sa photo parce que là, ça le fait pas. On verra après avec ce que je vais lui mettre si elle aura encore des j'aime. Voilà. Maintenant, je vais réouvrir l'application dans quelques heures et on verra combien de j'aime elle aura en plus. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va bien, est-ce que tu es majeur et sympathique? Alors, je suis sympathique, mais je suis pas majeur. Ah, t'es de quelle année? Je suis 2002. Ok, ouais. Bientôt? Quand? Dans un mois. Dans un mois. Ouais. On se retrouvera dans un mois. Allez, ça joue. Pardon. Oh, tu m'as cassé le téléphone. Maintenant, je t'inonde de la play dans l'eau, je te le dis. Attends qu'il arrive. Non. Ben, tu n'avais pas à me casser le téléphone, hein. Voilà. Allez, vas-y, montre-moi comment tu fais le cheval. Ok, bonjour, je t'appelle comment? Anaïs. Ok, moi c'est Mike, ça va? Ok, oui, toi? Très bien. Alors j'ai une question aujourd'hui, c'est... T'as un train Paris-Bruxelles. Allez, il fait 80 minutes. Ouais. Pourquoi au retour il fait 1h20? Je sais pas, embouteillage. Pas mal le piège. 80 minutes c'est 1h20. Bonjour, je t'appelle comment? Anaïs. Ok, moi c'est Mike, ça va? Ok, oui, toi? Très bien. Alors j'ai une question aujourd'hui, c'est... T'as un train Paris-Bruxelles. Allez, il fait 80 minutes. Pourquoi ouais. Au retour il fait 1h20? Je sais pas, embouteillage. Non, pas les embouteillages. Réfléchis. Je sais pas, il y a un mec qui s'est jeté sur les voies, je sais pas. Mais non, mais réfléchis à la question. Bah c'est plus long, ça veut dire... Y a non, regarde, problème. Attends, je te refais. T'as un train Paris-Bruxelles, à l'aller, il fait 80 minutes. Oui. Au retour, il met 1h20. Oui. Donc... Donc il y a un problème quelque part. 80 minutes, 1h20. 80 minutes, c'est 1h20, wesh. Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé deux fois. Franchement, la blague du 4 minutes 1h20, elle est trop drôle. Mais n'empêche, c'est pas si facile que ça. Hein. Parce qu'il suffit que t'es pas concentré et tout, tu peux facilement te faire avoir ce genre de blague. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes tombé dans le panneau à cette blague. Et dites-moi aussi en commentaire quel passage vous a fait le plus rire. Un petit room tour, ça c'est mon tapis. C'est un pot d'alligator. Il était un peu poilu, mais c'est pour ça que c'était cher, tu vois. Puis après, ici, on a le petit coin télé. Sympa et tout, elle est pas branchée, mais c'est pour faire le style. Puis si on a un petit coin sofa, c'est pratique pour quand t'as pas envie de t'asseoir sur ton lit. Puis si on a le petit coin prout, c'est... Puis si t'as le petit coin planning, c'est sympa pour quand tu retiens rien comme moi. Puis après t'as le petit coin sport, c'est sympa pour faire genre, parce que j'ai pas de muscles. Puis si t'as le petit coin selfies, c'est pratique, ouais. Je vais vous prendre un menu 280 s'il vous plaît. Oui, en normal à maxi. En maxi? Oui. C'est pas moi qui paye non plus. Sans légumes? Accompagné de sa douceur de frites. Okay. Et de son coulis d'ice tea, s'il vous plaît. Okay. Oui, en effet. Avec un fondant de triple cheese, s'il vous plaît.
et un nuage de potatoes. Ok. Sur son coulis de Sprite, voilà. Coulis de Sprite. Ah oui, de Sprite. Voilà, de Sprite. Avec ceci. Ah bah, je pense que ce sera tout, hein. Okay. Excusez-moi, les mecs. Ouais. Vous allez à Saint-Naz? Bah, pas de problème, vas-y, monte. Impeccable. On y va. C'est gênant, je sais pas qui regarder. Merci, oui, merci. Mais je la déteste, c'est qui l'a invité là? Putain, mais toujours plus, et vous allez pas faire toutes les langues, wesh. Mais toujours en train de faire des snaps, cette gogole, alors qu'il y a personne qui regarde ses snaps. Bon, j'espère qu'ils ont fini, j'ai envie d'ouvrir les cadeaux là. Oh là là. Putain, mais quel discours? Vas-y, faut que j'active le mode focus. C'est parti. Puisque vous insistez, écoutez, je suis très content d'être là avec vous. Vraiment, vous êtes mes meilleurs amis. J'ai jamais aimé des gens autant que vous. Toi, je t'aime trop. Heureusement que t'es venu. Toi, c'est pareil. En fait, t'es un bestial. Et les gars, Serge, je vous kiffe trop. On sera toujours là, t'inquiète pas, frérot. On est là. Ouais, ouais, ok, super. Bon, les cadeaux maintenant. Vous pouvez retourner les feuilles. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux utiliser la calculatrice? Oui, vous pouvez utiliser votre calculatrice. C'est pas grave, j'en ai pas besoin de toute façon. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux utiliser un compas? Oui, en effet, pour l'exercice 3, vous aurez besoin d'un compas. Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un rapporteur pour le... Vous allez avoir besoin de votre rapporteur. C'est quoi qu'un rapporteur, oui. Ouf, fais chaud, c'est un tabarnak. Oh, y'a une grosse. Et c'est bien chaud. Oh, fuck. Tabarnak, il fait fucking chaud. De qui? Petite scène sur la merde. Les amis, aujourd'hui, on va jouer au jeu du piment. Donc, il y a le piment perdant juste ici, le piment témoin et les 4 piments de gage pour celui qui perdra. Ok, donc Juju commence. Je vais faire quelques changements. Et je vais demander à Juju de choisir un verre. Ok. Ok, t'as le droit de le manger. Ouais. À moi. Non. Non. Elle doit manger celui-là pour témoigner du piment. Je sais pas comment vous faites. J'en ai mangé un, c'est horrible. Hein. Pour les 900 000. Il y en a un qui est tombé. Ça me rappelle le collège. Ah, ça arrache. Wouh ! Salut ! Surimi ! Bon, bah, on a fini notre petite... Salut ! Non, mais les gens, par contre, dans cette ville, ça va trop loin. Bonsoir. Alors, je vais vous montrer un truc très, très perturbant chez moi. C'est que j'ai la statue de ma sœur. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai le musée Grévin à la maison. Je vous présente ma sœur, Victoria. En fait, elle est donc de la matière du musée Grévin, quoi. C'est vraiment son sourire et tout. Genre sa main, son corps, ses habits et tout. Même les cheveux, quoi. Pour vous la montrer, elle est comme ça, on voit pas bien, mais... C'est vraiment son portrait craché. Et c'est hyper perturbant parce que, du coup, tout le monde a peur. T'arrives comme ça et d'un coup, tu vois ça. Boum ! J'ai vraiment l'impression que c'est une vraie, genre... J'arrive pas. Imaginez avoir la statue de votre frère ou de votre sœur, genre tout le temps avec vous. Au moins, je peux lui coller des patates, lui mettre deux doigts dans le nez et tout. Après les yeux, la statue, décidément, on va me trouver trop bizarre. Allez les gars, celui qui fait tomber la balle, sa mère c'est une pute. Encore perdu, c'est ça? Ouais. Il est nul en jongle. Roger, m'attendez pas pour dîner ce soir. C'est bon, s'il vous plaît. Vas-y, impeccable. Par contre, on a des chaussures. Ouais, t'inquiète, je les ai pas mises aujourd'hui.
T'as pas ça fermé les voies de la baignoire? Et non, justement, à chaque fois que j'essaye de parler à ma mère, elle se met à hurler, gros. C'est dommage, ça, tu sais. Avec le temps qu'il fait, on va avoir de l'eau jusqu'au pied, là. Non, mais ça, c'est pas mon problème. Hier, j'ai changé les pneus de mes rollers et je peux te garantir que. Bon, dis-moi, est-ce que toi aussi ça t'arrive quand t'es au supermarché à la caisse, quand tu ranges les courses dans ton sac, tu sais, pour que ce soit bien rangé, des fois tu te fais des parties Tetris dans ta tête. Putain, tout à l'heure, j'ai failli faire un truc, mais légendaire. J'arrive à la caisse, donc elle commence à envoyer mes courses. Je cale bien vers le bas, le gros paquet d'Haribo, le pack de lait, elle commence à m'envoyer, et au fur et à mesure que je le fais, je me dis, bon, putain, je suis pas mal, là, j'ai jamais fait un truc comme ça, tu vois. J'arrive en haut, pom, pas un poil de cul qui dépassait, je te jure. J'avais même laissé, tu sais quoi, le petit espace sur le côté, tu connais la technique à Tetris, pour que quand t'as la barre après, tu la glisses et boum, ça t'efface tout. Et là, je tourne la tête et je vois que la caissière, elle a la baguette de pain dans les mains. Je me dis, putain, c'est bon. Envoie-moi ça, Germaine, je te le cale dans le trou et c'est le perfect. Et là, avec sa main gauche, elle me sort la grappe de raisin. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Germaine? Qu'est-ce que tu fais? J'ai une gueule à manger du raisin? Non, mais regarde le sac, là. C'est blindé de camembert et de saucisses, là. Mais putain, bah, tu m'as tout niqué. Bah, on recommence, Germaine. Bah, on recommence. Depuis qu'il s'est fait mal à la patte, il ose plus la donner. C'est trop mignon. Regardez. Donne la patte. Chut. Donne la patte. Regardez sa tête. Oh, c'est bien. Tiens, mon chien. Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé deux fois. Dites-moi dans les commentaires quel youtubeur ou tiktoker vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles données. Ciao mes sphères.